Qui je suis? Oh. Même moi, je sais pas, en fait. C'est ça qui est ouf. Si, je m'appelle Catherine Ursin, qui a un très joli nom. Ursin, ça veut dire ours. Je sais pas si je suis une artiste, mais c'est ce qu'on me dit. Donc, on va dire que je suis une artiste plasticienne, et j'ai horreur de ce mot aussi, plasticienne. Je trouve ça très moche. Mais je suis plasticienne dans le sens où je fais de la peinture, de la sculpture, des performances, des installations. Voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, tout le monde pense en voyant mon travail. J'appelle ça du travail parce que tout le monde dit « Non, mais c'est bon, c'est juste une passion et tout, c'est super. » Et non, c'est du boulot aussi. Tout le monde pense que je suis une personne triste, glauque, ennuyeuse, sorcière. Ça, c'est souvent, on m'appelle sorcière. Et en fait, dans la vraie vie, je suis plutôt cool, quoi. Cool, rigolote. Parfois, pas toujours. Mais en fait, c'est marrant parce qu'il y a une vraie différence entre ce que je peux exprimer dans mon art et ce que je suis dans la vie. Et en même temps, il n'y a pas de limite entre ma vie et mon art. Donc, c'est assez paradoxal. Allô, France, c'est Catherine. Ouais, salut Catherine, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, super, c'est cool. Je t'appelais parce que j'avais quelques questions là sur quelques points à confirmer ou à voir avec toi, à discuter un petit peu. Alors, du coup, je me disais, tu vois, l'août, c'est super loin et je viendrais bien en fait à l'université en mai ou en juin, un truc comme ça pour revoir les lieux, pour vous voir aussi. Pas de soucis, tu viens quand tu veux. Ah ouais. Tu me dis et puis on se cale et on est là pour ça. Avec grand plaisir. Ah bah super, parce qu'en fait, moi, tous les gens qui vont intervenir de l'université, en fait, bah, à part toi et Juliette, j'ai rencontré personne et ça me ferait plaisir aussi de les connaître un petit peu en amont, tu vois, de pas arriver comme ça. Trop bien, bah, je te propose des dates et puis on se redit ça et puis on se rappelle. Ouais. Ouais. Merci à toi, Catherine. Ouais. Ciao, ciao, salut, gros bisous. Ciao. En fait, il y avait une galerie qui s'appelait Singular à Lyon. Et je sais plus pourquoi, je me suis retrouvée à envoyer un dossier et tout. Et Fanny me rappelle en me disant, bah, nous... On a déjà plein d'artistes et tout, on n'a plus beaucoup de place et enfin voilà, c'était pas le moment. Mais par contre, il y a une biennale hors norme à Lyon, tu devras envoyer ton dossier. Et donc je suis les bons conseils de Fanny. Et là,
je reçois un avis favorable pour participer à la BHN. Et donc, je rencontre plein d'artistes et je rencontre surtout les organisateurs, dont Lorraine et Guy Dalvey, et Lorraine tout court, et Jean-François Rieux. Et depuis, on ne s'est pas quitté. Les sources, l'origine de cette biennale hors norme, j'aurais tendance à dire que c'est un fossé du côté de Digne. 11h du soir, deux gars en moto qui se scratchent bien sous. Et donc, moi, je suis l'un d'eux et je me retrouve chez ma copine à vivre. Et j'avais jamais créé, j'avais près de 30 ans, et je me mets à créer, à faire des choses. Jusqu'à temps qu'un sculpteur, là, Stéphane Cerruti, qui est un sculpteur hors norme, voit mon travail et m'invite, par l'intermédiaire de Louis Chabot, au festival d'art hors les normes de Louis Chabot à Praz-sur-Arly, qui était l'un des premiers festivals d'art hors normes. Le jour où le festival d'art hors normes s'arrête là-haut, moi je suis déjà à Lyon, tout un tas de Lyonnais disent « Yaka, Faucon, on devrait faire la même chose à Lyon ». Un an après, puisque le 11 novembre 2005, on inaugurait la première biennale hors normes à la piscine du Rhône, et on est resté 4 éditions à la piscine du Rhône. Il y a eu, comme Lorraine le disait tout à l'heure, la piscine s'est fermée, et on a tout simplement traversé la rue, mais on ne rentre pas dans l'université comme ça, même si les portes restent ouvertes, en fait, c'est le monde du savoir, donc il suffit de dire que là, c'est l'université, et les gens s'arrêtent pratiquement. On est rentré dans l'université à Lyon 2, on a commencé par Lyon 2, en leur proposant une question, tout simplement, d'interroger les flux de savoir. Comment on est arrivé à Lyon 3? Eh bien, en fait, on n'en sait rien. C'est avant tout une rencontre. C'est-à-dire que la plupart du temps, on se trouve au coin d'une table ou à discuter comme ça de choses et d'autres, et tout d'un coup, il y a une histoire qui se monte, qui se tricote. Mais pour tricoter, il ne faut pas qu'une seule aiguille, il faut au moins deux personnes. Il faut qu'il y ait un écho à votre histoire. C'est quand on a des gens qui tout d'un coup mordent à l'hameçon, se disent « Tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec eux, pas pour eux, mais avec eux », là, ça change complètement l'histoire. Et notre histoire, en ce moment, elle est basée là-dessus, c'est-à-dire faire avec l'autre. Lorraine m'a parlé de France et Juliette pour éventuellement parler d'une résidence à l'université. Donc on s'est rencontrés et là, c'était presque comme un coup de foudre. Et du coup, on a commencé à parler de cette éventualité de résidence. Et France, elle m'a dit, écoute, si ça te branche, faut que tu nous envoies des projets ou des propositions et tout ça. Et moi, ça m'a emballée. Donc, j'ai fait des propositions. Et puis, j'ai fait des propositions de fresques pérennes, d'installations, performances et d'expositions. Sauf qu'entre-temps, avant de faire ça, j'ai revu France un peu plus tard pour visiter l'université. Et en fait, après avoir visité l'université, j'ai commencé à travailler sur des propositions, des projets et tout ça. Il y a des choses à voir avec le service édition, effectivement. Donc, c'est la question des bâches. Oui. La date exacte pour recevoir les fichiers pour le tirage, le type de fichier à fournir, ce dont ils ont besoin. Et ensuite, Il y a pour la fresque, tu sais. Oui, le papier. Ouais. Donc ça, je pense que... On verra avec François, pourra donner tous les éléments. Et après, il y avait des choses à valider avec la DIL, la direction de l'immobilier et de la logistique, pour la question du lessivage et de la nacelle. C'était les deux points que j'avais notés. Alors, par contre, c'est, tu peux me rappeler, Catherine, la collecte de paroles, en quoi ça consiste ? Et les créneaux prévisionnels. Simplement parce que nous, on est en phase de recrutement de l'équipe étudiante actuellement.
Et en fonction des centres d'intérêt, on va dispatcher, si tu veux, les différents projets en lien avec les étudiants, leurs centres d'intérêt, pour qu'ils soient présents sur certains dossiers. Donc, alors, collecte de parole. Collecte de parole, c'est en fait aussi bien au niveau des étudiants que les gens qui travaillent au CROUS. Donc, ok. Et en fait, c'est leur parole sur la fresque, de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils interprètent. Ok. Donc, la parole est libre. Hein. C'est comme un petit micro-trottoir. Oui. 10h09. On va où? On va voir François. Je laisse ma valise là. Hein. Salut François. Bonjour monsieur. En fait, du coup, moi j'avais des questions sur une installation qui doit être dans la cour sud. En fait, sur ce béton-là, qui fait 28 mètres, je voudrais en coller un dessin, mais qui sont des photocopies de ce dessin. Oui. Voilà, donc j'ai un dessin qui fait 70 cm sur 28 mètres. Parce qu'on peut faire plusieurs choses. Soit vous avez le fichier, à ce moment-là, on imprime. Ouais. Voilà, et puis on imprime en séquentiel pour que vous puissiez... Parce que nous, notre maximum d'impression, ça va être du 450 mm. C'est du SRA3. Autrement, on va pouvoir faire du traceur, et à ce moment-là, le traceur... Ce sera forcément sur du 170 grammes, et c'est peut-être aussi bien, qui est assez souple. Hein. Et là, on peut aller jusqu'au A0. A0, ça fait largement ce que... Oui. A1, ça doit suffire. Et 170 grammes, c'est pas trop épais pour après en coller... En coller, non. Le dessin, c'est ça. Oui. Non, mais d'accord. Et j'ai 28 mètres comme ça. Là, j'en ai pas 28 mètres. Oh, je plaisante. Ah ouais, c'est joyeux. Ouais, hein. C'est joyeux. Non, mais c'est bien, ça me fait penser au truc mexicain. Ouais. Et donc, c'est bien. Donc, c'est 70 cm. Donc, le béton, il ne fait pas toujours 70. Le problème, là, c'est qu'il va falloir numériser le truc. Et ben voilà. On doit prendre en compte l'espace dans lequel on intervient, mais pas seulement l'espace, les gens qui habitent ce lieu. C'est-à-dire que Catherine a cette faculté de pouvoir prendre en compte et s'adapter dans son travail, c'est-à-dire qu'elle va se remettre en cause et remettre en cause son travail justement par rapport à la population qui habite ce lieu. Mais disons que ces thèmes vont être aussi ces questionnements qui, quelquefois, se pose en perspective. Si on a deux yeux, c'est un peu pour ça, c'est pour voir les choses en volume. Ben là, c'est la même chose. En fait, l'artiste apporte une vision et l'étudiant apporte une autre vision. L'enseignant apporte une troisième vision. Et là, ça devient un objet fini. C'est pas seulement un plan de lecture, c'est qu'il y a plein de plans de lecture. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire, justement, qui va se raconter là, Lyon 3. Tu sais, tu le vois vraiment, quoi. Quand tu bosses avec des étudiants qui ont 20, 25 ans maximum, qui veulent faire de l'histoire de l'art et tout, ils ont des étoiles dans les yeux, c'est assez génial, quoi, ce truc-là. Mais en même temps, ils sont dans ce rapport, la distinction, tu vois, où l'artiste, il est sur un piédestal. Dédramatiser ou couper un peu cette question de la séparation, tu vois, arrêter avec le truc du fantasme de l'artiste comme quelqu'un qui se détache, en fait, du commun des mortels, c'est un truc fondamental, je pense, quand on forme des étudiants à la question de ces métiers, de l'exposition, de l'art contemporain, etc. C'est vraiment fondamental aussi de couper ce truc-là, quoi. Et ça, bah, la rencontre avec l'artiste, elle est fondamentale par rapport à ça, clairement. Ta-da, ta-da-da. Bienvenue les artistes, comment je l'ai descendu. Tout va bien. Elle va te montrer des choses très belles. Bah oui, c'est les carnets. Ouais, oui, j'en ai amené un qui est celui que j'ai commencé par rapport au...
à ici, ouais. Qu'est-ce qui va se passer ici. Parce qu'après, vous voyez, ça dépend de la forme que vous voulez que notre travail prenne, mais si vous préférez des interviews, si vous préférez que nous... Enfin, vous voyez, nous, on peut faire comme vous voulez, mais c'est vrai que pour nous, c'est... Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut après orienter... Voilà, vous voyez, si on doit écrire quelque chose... Avec vous, voilà, après c'est vous qui choisirez bien entendu la forme, à moins que cette forme ait déjà été décidée, je ne sais pas. Mais voilà. La publication scientifique en lien avec vos travaux de recherche, ouais. Là pour l'instant, on est open. Que, hein. Voilà, parce que moi je pense, enfin voilà, très bien, parce que voilà. Je pensais que ce qui serait intéressant, c'est de préparer une monographie de Catherine. Enfin, je pensais que ce serait intéressant, Catherine, de garder, pour, enfin, si c'est possible, hein, si on peut faire cette publication. Que ce serait intéressant de justement mettre en valeur le format du carnet. C'est un aspect de l'intime qui parle au public, c'est-à-dire dès que voilà, on présente un ouvrage qui serait par exemple les carnets intimes ou voilà, noir et rouge, ou, enfin je sais pas, c'est. Mais moi, vous voyez, j'ai une question, alors je suis toujours en décalage, hein, c'est normal, ouais. Parce que là c'est de l'intime. Oui. Les gens adorent l'intime, bien entendu. Oui. Tout à fait. Dernière couche, on va tout voir. Oui. De Catherine, celle-là encore pire. Ouais. Et vous n'avez pas d'intime alors ? Pas d'intime, c'est-à-dire, pardon. À vous. Nous, les universitaires ? Oui, parce que j'entends. J'entends c'est une bonne question. J'entends, voilà, on va écrire, mais on va prendre des précautions, encore d'autres précautions. Et en fait, vous demandez à l'artiste de se mettre à poil. Ouais. Mais on peut se mettre à poil aussi, hein. Et ben pourquoi vous ne le feriez pas ? Avec plaisir. Allez, Catherine, vous non, vous posez des questions aussi. Non, mais c'est bien. J'en sais rien. Mais moi, c'est une bonne. Mais vous avez raison, Guy. Vous avez raison. Moi, je suis prête à jouer ce jeu-là. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être le moment voilà, ou jamais. Je reproduis puisque... mon schéma habituel. Mais si vous me dites, Catherine, elle me pose des questions et moi, je réponds sur l'œuvre de Catherine, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que là, ça permet aussi de construire un troisième objet. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est son objet. Il y a une écriture que vous faites par ailleurs, mais là, c'est de co-construire quelque chose, une troisième entité, ouais. qui est cette symbiose entre deux boulots, quoi, ou trois ou quatre, enfin, j'en sais rien. Mais là, c'est une vraie création, co-création. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est le boulot de la culture, ça. Ouais, non, mais c'est ce qu'on fait, exactement. La chose importante, en fait, c'est vraiment que l'art, en fait, il pose des questions, quoi. Il nous stimule sur nos propres recherches à l'université, quoi. Et en vice-versa, comme je le disais, il y a ce truc quand même très important où les artistes, ils sont en demande, parfois aussi, de formalisation, en fait. Et ce qu'on arrive à faire, et ça, c'est intéressant du point de vue de cette relation entre BHN et université, c'est que on arrive aussi... À mettre de côté cette méfiance qui peut exister vis-à-vis de la fac comme une tour d'ivoire qui serait celle du savoir, avec les intellos qui dirigent le truc et qui sont coupés du monde, etc. Non, là, on est vraiment dans un rapport d'horizontalité très forte, quoi, où il y a des chantiers, en fait, qui sont en jeu, des chantiers de réflexion où on creuse. On creuse et parfois, on trouve des trucs, quoi. Du coup, à la base, en fait, on a fait ça, encore est un temple, entre parenthèses, titre provisoire. Ça s'appelle comme ça, c'est toi qui a appelé ça comme ça. Mm-hmm. C'était quoi ton idée ? Ben, il n'y en avait pas, quoi. Non, mais c'était juste pour se moquer de la bête phrase, mon corps est un temple. Il y avait beaucoup plus que ça. Donc on avait dit performance pluridisciplinaire. L'enfance, la mort et le rêve sont notre point de départ. Trois mots pour trois protagonistes. Trois artistes pour trois moyens d'expression. La poésie, la musique, la peinture. Pour cette performance, nous puiserons dans nos enfances, convoquerons nos morts, mais n'oublierons jamais nos rêves, encore et encore.
C'est beau, hein. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi. C'est ça qui est, mais c'est ça qui est intéressant. Et on avait mis quand même des mots-clés. Empêchement physique, sonore, verbal. Ça me donne des idées. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que l'empêchement de l'autre dans quoi ça te propulse, en fait? Moi, ça me donne comme idée des expérimentations, des gens de Bunker Records, des Hollandais au début des années 90, qui faisaient des expériences avec la musique, genre techno très brutale et répétitive, dans des espaces confinés. Ils mettaient des stroboscopes dans la gueule des gens, ils mettaient des fumigènes. Et donc, pour créer des ambiances très, 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 très oppressantes, exprès. Je me disais aussi pour la scéno, ce serait bien qu'on ait. Enfin, ça devait être dur, on ne sait pas encore où on serait et comment on va faire pour transporter les choses, mais si on pouvait être dans un environnement total où tout ce qui est dans la scène nous appartient. Oui. Ça, ce serait. Enfin... Mais j'ai pas d'infos. Je sais que ce sera le 4 novembre 2021. Mais j'ai pas d'infos, ni d'horaire, ni de lieu. Mais peut-être aussi c'est à nous, maintenant, de dire, bah, nous, on aimerait ce lieu-là. Mmh. Et qu'en fonction de ça, ils puissent nous dire, bah, là, c'est possible, ça, c'est pas possible, ça... Donc, on dit, je note, d'ici à fin de semaine, une fois qu'on a écrit et qu'on a bien, on est bien sûr de ce qu'on a envie, on fait un espèce de bilan qu'on présente à France, on voit ce qui est réalisable en fonction de l'endroit. Ouais. Et moi, j'aimerais si bien... elle peut donner des réponses aussi, puisque ça fait partie du festival, donc elle n'aura peut-être pas toutes les réponses dans l'immédiat. Pas percuté en fait l'importance de l'université, du lieu en fait. Parce que comme on se rencontrait dans un lieu super convivial et avec que des gens que je connaissais, toi, Guy, Lorraine, je les connais depuis longtemps, je me suis pas tout de suite projetée sur cet espace immense et qui m'est inconnu parce que moi je connais pas le monde de l'université. Je sais pas, il y avait une espèce de magie, en fait, qui se passait, que tout était simple et tout. Et après, quand je suis allée visiter l'université, que j'ai vu le grand truc, j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce truc-là qui est trop grand, c'est presque trop grand pour moi, quoi. Mais comme France est hyper rassurante, hyper rationnelle, hyper à l'écoute, hyper présente, en fait, ça n'a pas été un problème... Ça n'a jamais été un problème. Alors, tu vois, mon problème, c'est que c'est hyper long. Ah, ça va encore. Hein. Mm-hmm. On va prendre les lettres papier. On va déjà se positionner dessus, voir ce que ça dit. Et puis après, on va en coller. Et puis c'est parti pour 28 mètres de dessin. Alors le point culture, c'est, on va dire, l'antenne qui est ouverte au public. Quand on est étudiant et qu'on n'a pas encore découvert l'univers de la culture, de la médiation culturelle, du lien avec les artistes, travailler au point culture au sein des affaires culturelles, c'est vraiment une expérience qui est très riche parce qu'on voit énormément de choses, c'est très polyvalent. Vraiment, on est au contact des publics, on est au contact des artistes, on répond à leurs demandes, on est à leur écoute, et puis on construit les choses avec eux. Par exemple, cette année, il y a des étudiants qui ont travaillé avec Catherine Ursin, l'artiste en résidence, et qui ont participé à la mise en place de l'exposition. Donc vraiment, ils sont dans le processus même de création. Et c'est ça qui est assez intéressant pour eux. Ils sont un petit peu partout, finalement. Ils sont dans l'accueil des publics, dans la création, dans la médiation culturelle, puisque après ils accompagnent les publics dans l'exposition elle-même ou dans les spectacles qu'on peut proposer. Donc il y a vraiment une expérience qui est intéressante à ce niveau-là. Alors les premières missions, c'était surtout de base
enregistrer les avis, les témoignages du public, surtout pour la fresque universitaire. C'était surtout le point le plus important, parce que j'ai fait aussi beaucoup de tournages, des captations lors de sa performance, lecture performée. Et aussi, bah, j'ai écrit un texte avec elle pour une de ses performances. Donc là, j'étais très, très content. Et je pense surtout on me prend un peu plus au sérieux, parce qu'avant, j'ai surtout fait de l'associatif. Et je sais que dans mes entretiens, alors c'est pas ma licence de lettres hein, qui intéresse énormément les gens, c'est tout ce que j'ai fait à côté, que ce soit la radio, que ce soit les assos, que ce soit les expos, enfin voilà. Mais le milieu associatif, ça reste toujours, en plus quand c'est étudiant, très débutant, amateur, là ça prend une autre ampleur. Moi personnellement, ça m'a permis de rencontrer bah, une artiste qui en plus est adorable, quoi. Et... je pense pour les étudiants de manière générale, même pour l'université de manière générale, enfin, c'est le lieu en fait où il faut le faire. Parce que vu qu'on apprend, on apprend tout, mais en plus on peut se reconvertir chaque année. Donc en soi, c'est le moment ou jamais de découvrir des choses, c'est le moment ou jamais de créer quelque chose, c'est le moment ou jamais ben, de s'ouvrir à un peu toutes les possibilités avant que justement on suive un chemin plus ou moins préconçu. Après, bon, là, ça va dans la sociologie, mais pour moi, c'est la base, en fait. Enfin, si c'est pas ici, on le ferait où ? Bonjour ! Voilà, quelqu'un prendra le panier et ira tout autour voilà, pour un petit peu aller auprès des gens, leur montrer un peu ce qui se passe, et puis aussi discuter avec Catherine, puisque c'est quand même le principe, je pense que... Super, on est bon. Et le truc aussi, c'est qu'on peut se brancher là. Et ça ? Super, je vous en prie. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à ce vernissage de l'exposition de Catherine Ursin, vernissage qui se déroule dans le cadre de la 9e Biennale hors normes. Et c'est une chance pour l'Université Lyon 3 que de pouvoir prendre part à cet événement qui la relie à différentes institutions, à différents types d'artistes. Et nous accueillons Catherine en résidence pour toute l'année à Lyon 3. Et donc, voilà, ce sont les premières réalisations que nous allons ensemble découvrir aujourd'hui. Cette exposition, la fresque qui se trouve dans la cour sud, mais aussi la fresque réalisée dans le restaurant universitaire. Alors, lorsque j'ai découvert ton travail au printemps dernier, chère Catherine, j'ai été frappé par la force de tes images. Mais, tu t'en souviens, je me suis aussi inquiété de ce qui m'apparaissait alors comme une forme de noirceur et je me suis demandé, après les épreuves que nous avions collectivement traversées, après une série de confinements, comment nous allions vivre une année durant au milieu de ces images. Et puis, j'ai appris à te connaître. J'ai vu ta présence active parmi nous, ta disponibilité, ta générosité à l'endroit des personnels, des étudiants. Et puis, je me suis rappelé que l'art, je le savais, mais ce sont des choses qu'il faut se rappeler périodiquement, l'art ne sert pas qu'à divertir ou distraire, peut-être surtout pas à ça. En tout cas, il sert aussi à envisager nos peurs, nos inquiétudes, ce que, habituellement, nous ne voulons pas trop regarder. Et puis, j'ai regardé un peu mieux ces images. Je me suis aperçu que ces squelettes, ces corps flottants, étaient très animés, qu'ils avaient des humeurs, du sang, des larmes, qu'ils étaient loin d'être asexués, qu'ils étaient même dotés de toutes sortes de sexes, et qu'il y avait aussi beaucoup de vitalité qui émanait de ces images. Et donc, j'ai confiance dans le fait que ces images vont nous aider cette année à réfléchir aux épreuves que collectivement il nous faut traverser. Merci, chère Catherine, pour tout cela. Thank you.
Là, au début, on commence comment ? Ben, tu sais, en fait, normalement, tout le monde tombe. Tu sais, les uns après les autres. Tu sais, au coup d'orage et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc toi, on marche, même pas. On est dans la foule, je crois. Voilà, tu es dans le public et le public ne sait pas que toi, tu vas tomber. Voilà, et à un moment donné, tu tombes. Ouais. Et moi, je viens te chercher. Il faut que j'arrive. Alors, je crois que tu sais, je prenais ton bras... où je te le mets derrière comme ça pour t'aider et je crois que je te soulève d'abord d'ici. Voilà, et c'est là où tu m'aides un petit peu. Et qu'en fait, après, moi, il faut que j'arrive à te tenir comme ça. Comme ça. Et c'est là où c'est dur pour moi. Yo ! Ah ouais, il faut vraiment que je m'entraîne. Et en fait, là, toi, tu te laisses aller. Parce que moi, je te tiens. Et de toute façon, je te pose toujours en délicatesse. Et en fait, alors attends, comment ça va être plus facile pour peindre ? Ouais, peut-être comme ça. En fait, je te fixe les pinceaux avec les bandages. Je voulais savoir si je voulais, faire un petit truc, un clin d'œil du genre, et si je peux essayer sur moi, non. C'est pas dans la performance, c'est pas ça, c'est pas le but. Ah oui, tu voulais te peindre aussi toi pour... Éventuellement. C'est une bonne idée, pourquoi pas. Mais l'acrylique, ça peut être un peu... Ouais, alors là, il faudrait que je change de peinture. Mais là, j'ai que de l'acrylique. Mais peut-être qu'on peut penser à ça pour la performance. Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous accueillir pour cette masterclass dans le cadre de l'accueil en résidence de Catherine Ursin, donc artiste plasticienne, performeuse, poétesse. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble pour préparer cette résidence. Donc c'est un travail de longue haleine. Alors on va commencer à parler de l'expo parce que c'est le plus simple puisqu'on est dedans. C'est le 3e volet d'une expo qui s'appelle « Je suis une fleur unique que le monde ne veut pas laisser vivre ». C'est une phrase d'Antonin Artaud et j'ai décidé de l'utiliser pour le titre de l'expo parce que pour moi, c'est très important le regard de celui qui visite l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le travail de création qui est fait dans l'atelier. Et puis après, quand on donne à voir, ben, ça appartient à l'autre. Et donc voilà, et pour moi, c'était important aussi de partager cet espace que l'université m'offre pendant 3 mois, qui est, c'est juste du bonheur. Et j'ai eu la bonne idée de faire 5 changements, sauf que c'est super, parce que c'est tout le temps en mouvement. Mais c'est un sacré boulot. Et du coup, mon plaisir est aussi de partager. Ça veut dire que ce n'est pas que moi qui expose. J'invite aussi d'autres artistes. Voilà, donc là, c'est des photos de Nathalie Bardou à Moria. Des peintures, c'est des peintures de migrants aussi. Il y en a plusieurs, là. Bien. Donc, on a fait comme une manifestation sur la place de la République à Paris.
Et on a demandé aux gens qui passaient, on expliquait ce qui se passait à Moria, et on leur demandait de dessiner par terre. Donc on a eu plein de dessins. Donc il y a des exemples là, de gens qui dessinent, des migrants aussi hein, qui viennent dessiner. Et du coup, j'ai voulu laisser ce mur à votre disposition avec des craies. Vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous. Ben, je suis vraiment contente de pouvoir voir ça à l'université, gratuitement, pendant mes cours, tout ça. C'est vraiment chouette. Ben, j'ai l'impression, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais d'avoir genre une révélation, mais sans comprendre ce que c'est. Du coup, ça fait un peu peur. Ah voilà, c'est ça, il y a un truc qui est plaisant, c'est dans la tension des corps, en fait. Moi, ça m'évoque une forme, comment dire, des corps qui s'émancipent. Un plaisir, et pour moi, vu qu'il y a des cours en plus en rapport avec le corps, et qui aiment le rapport du corps et son immersion dans le monde... c'était assez jouissif, un pour en termes instructifs, en termes personnels, et ça me donne des idées en termes d'écriture. Voilà. Ces mouvements, ça fait des nœuds dans l'estomac, ça parle. La peinture en rouge, c'est comme l'évolution de l'être humain, et c'est quelque chose d'intéressant et en même temps assez bizarre, je pense. Il ne m'inspire pas la mort. C'est plus la vitalité du corps. Moi, je trouve ça renvoie quelque chose d'assez fin, fort tout de suite. Mais après, je suis pas trop fan. Surtout celle qui a du feu qui sort de son ventre. Enfin, je suppose que c'est une flamme, je sais pas, je l'interprète comme ça. Mais je ressens un peu comme si la personne elle avait un mal-être et elle avait quelque chose à ressortir, genre... Alors, ma première impression, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve ça pas très gai en tout cas. On vient de traverser une période de Covid et voilà des couleurs sombres, rouges, qui évoquent pas vraiment la joie, je trouve. Après, c'est toujours mieux qu'un mur en béton ou quelle que soit l'émotion que ça inspire aux gens, ça inspire au moins une émotion, c'est toujours ça, plutôt que du vide ou... voilà. Pourquoi pas. Moi, je trouve ça sympa parce que ça habille un peu quand même la cour et puis ça nous donne quelque chose un peu à regarder, à s'interroger aussi, dans un sens. C'est bien que dans l'université, il y a des activités artistiques, des choses comme ça. Ce qui menace notre monde universitaire, c'est le cloisonnement en catégories épistémologiques, donc des catégories de recherche qui sont prédéfinies. On dit aux étudiants, voilà, il faut regarder dans cette direction. Enfin, ça, c'est l'université classique, hein, donc vous allez regarder dans cette direction, on va vous donner ceci, il faut rester dans votre catégorie. Voilà, c'est un petit peu comme si l'université en général, moi, je la vois comme une espèce d'invitation, disons, à rester dans les clous et dans les catégories préétablies. Travailler avec un artiste qui va avoir une telle richesse plastique, et Catherine apporte vraiment cette richesse plastique extrême, va nous inciter à sortir de ces gonds, de ces clous, et à nous poser des questions qui nous gênent. Donc, du coup, on a tout ça. Donc, pour essayer d'organiser, pour accrocher, l'idée, c'est déjà de mettre au sol que celle-ci, elle peut aller là, celle-ci, elle peut aller là, de voir... Par exemple, est-ce que celle-là, elle est intéressante? Donc, si tu trouves que l'ombre, elle est intéressante, tu te dis, ce serait bien que je l'accroche là. Ouais, et ça veut dire que... Après, on peut bouger les lumières aussi, hein, parce que là, okay. Elles ne sont pas faites pour ça. Donc, on peut avoir... Mais tu vois, cette ombre-là, elle est marrante. Ouais, on peut les accrocher là et là. Donc, déjà, tu peux voir. On règle les lumières. Et puis, du coup, tu vois que si cette ombre, elle est ici... Tu vas pas accrocher ici. Donc du coup, ça te dit que peut-être que ça, elle est mieux au mur et accrocher plutôt là. Mm-hmm. Je sais pas. Je vous laisse faire comme ça. Alors, j'ai fait un découpage en 3 unités. Je me suis dit que ce serait pas mal. Tu vois. C'est rigolo en plus. Et je me suis dit, j'allais faire un focus sur le bas des visages, le haut du visage et puis le centre des visages. Ouais, c'est trop bien. Je trouvais ça bien, ce petit... Et puis d'avoir mis bleu et orange, la couleur complémentaire. Bah exactement, tu vois un peu le petit... Ouais. On a l'œil. Alors et du coup, si tu mets que par Catherine Ursin, c'est vraiment un boulot qu'on a fait ensemble, qu'on a monté ensemble avec Kenny, Charcot et moi. C'est pas... En fait, c'est dans le truc, c'est pas moi qui ai fait la performance... Ouais.
et que je travaille avec deux autres. Okay. On l'a vraiment fait à trois. D'accord. Donc je pense que c'est bien. Ah, oui. Après, si tu peux préciser là. Je mettrai sur la ligne en dessous. Bon, bah, très bien. Et après, toi, tu vas partir là bientôt, c'est ça ? Alors moi, je repars mercredi matin. Ouais. Donc je suis là toute la journée. Cet après-midi, on travaille sur une sculpture en carton. Ouais, c'est ça. Demain, j'ai rendez-vous avec la bibliothèque, les gens de la bibliothèque, pour les rencontrer. Ça. Et demain soir, j'ai l'atelier. Ouais. Et puis après, dans la journée, je vais bosser ici. Voilà. Vous vous en sortez, les petits loups ? Ouais. Bah, du coup, en fait, on a abandonné et on fait autre chose pour l'instant. Pourquoi vous avez abandonné ? Parce qu'on n'arrive pas à accrocher. Donc, regarde, là, on a fait un truc. Et en gros, après, lui, il tient là. Normalement, il tient tout seul. OK. Et l'autre, on la met comme ça. Et elle tient comme ça. D'accord. Est-ce que ça te va ou pas ? Oui, ça me va, ça me va. Bonjour madame, je vous amène quelqu'un. Non, ça fait combien de temps ? 3 ans. Il a révisé avant de venir. 3 ans pile. Bon, je peux ? Oui. Merci. Bienvenue à nouveau. Moi j'ai fait le point des inscriptions à aujourd'hui. On est à 25 inscrits pour la performance. Ouais. Et puis on va essayer de... Mm-hmm. Tu sais, il faut aller les chercher un par un. Mm-hmm. Après, je ne sais pas, en termes de scénographie, de la performance, comment vous allez procéder, mais moi, je pense que 40, c'est bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous n'avez pas pu voir la pièce... Non, c'est là où on fait la perte. Et l'univers c'est grave de Catherine. Très bon. Je ne pensais pas que c'était si grand. J'ai jamais vu l'espace en vrai, donc du coup j'ai toujours imaginé. Oui, bien sûr. Faut que j'enlève ça aussi. Ça. Ah, les arbres aussi. Mmh. Bah oui, c'est dommage d'enlever ça, mais que veux-tu qu'on fasse de ça, ça n'a rien à voir. Tu vois ? Les photos, oui, mais les arbres sont bien, je trouve. Alors, dans ces cas-là, il faut que j'enlève les photos et que je mette ça comme ça, les sculptures. Mais ouais, moi, j'aime bien ça. Les photos, c'est sûr, ça renvoie à quelque chose de beaucoup trop différent. Ouais. Mais ça, c'est... Enfin, moi, je trouve que ça peut rester, ouais. Et mais foutez-moi tout mon truc en l'air et je vous dirai rien. Mais c'est pas rousse plus, quoi. Et au mur, il y a c'est genre, quoi là, c'est genre, ah bah ouais, c'est comme ça et tout. Ça fait un an qu'on bosse là-dessus. Aujourd'hui, Benny Gazzara se traîne à genoux dans la maison de son enfance. Il croit avoir trouvé un moyen de remonter le temps. Il essaie de retrouver le passé, mais il n'y a plus rien ici. Quand je suis né, moi, Ben Gazzara, mère était contente. Elle a pleuré. C'est vrai qu'il y avait dans la chambre, à part des ballons d'hélium, une odeur de sang pornographique. Mais ce n'était pas sa faute. La faute à personne, d'ailleurs. Les infirmières insistaient avec les cris. Mère leur a répondu sans broncher « Rendez-moi mon enfant mort, presto !»
c'est pas la peine que j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le dernier mot que je l'ai, j'ai disparu. Je ne la trouvais pas. Si je cherche Milan, ça ne se fait pas pour la fin. On va passer à gauche. Ah, tu l'as. Comment j'ai ta chance. Super, merci, c'est adorable. Ça fait longtemps sur le route, tu sais. Je l'avais déjà mis sur le mur. Je remonte et je reviendrai fermé. D'accord. Super. Moi, j'avais un peu de mal au début. J'ai un peu. Surtout que tu fais les actions avant que je te dise. Ah ouais? Mais j'ai pas attention à ça. Tu t'es levé avant. Je ne me rends pas compte. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va passer par là. Merci, merci les amis d'avoir été là. Fondamental de revenir sur la question de ces partages d'expériences, de cette relation entre art et université, qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se joue de ce côté-là. Mais de manière plus large, en fait, l'université, elle est en souffrance, clairement, quoi. Elle est en souffrance dans sa relation à la société civile aujourd'hui, et elle est en souffrance tout court aussi du point de vue du désinvestissement qui est celui, en fait, des politiques, en fait, par rapport à son rôle dans la société, qui... Je suis à l'intérieur du truc, donc voilà, moi, après, je suis un converti, quoi, mais je pense qu'elle a vraiment son rôle à jouer et qu'elle est mal aimée et même elle est un peu calomniée par le système actuel, quoi. Diffuser la recherche, la rendre accessible, la rendre désirable, ce sont des enjeux de société capitaux. Et il me semble qu'inventer de nouvelles manières de diffuser la recherche, de communiquer avec les publics, ça peut passer aussi par l'art. On ne va pas détruire l'université parce que c'est un monde absolument extraordinaire qu'il faut maintenir, mais quelquefois, faire une petite vague de temps en temps. Je ne dis pas un grand ouragan, j'en ai plus cette faculté, et je n'ai jamais eu d'ailleurs, mais une petite vague, ou comme je disais tout à l'heure, un petit caillou dans la chaussure. Le petit caillou dans la chaussure vous fait marcher différemment. Ben, c'est la même chose là, en fait. On n'a pas d'autre prétention que ça. Donc on arrive toujours à la conclusion qui est la même, c'est une somme de personnalités qui font qu'une chose est possible. Ça prend beaucoup de notre personnalité propre, en fait. Parce que l'institution, elle prend pas ça en compte, quoi. Tu vois ce que je veux dire. De cette première partie, parce que c'est pas la fin complètement, en plus. Mais c'est la fin des expositions et de l'installation. Alors, je suis arrivée le 23 août exactement, 2021. Et là, du coup, on est le 28 ou... Non, 29 novembre. Et comment ça vide grave. Parce que aussi, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. J'ai même pas eu le temps d'aller me balader dans Lyon et tout ça. J'ai fait que ça. Et ma tête, elle est prise que là-dessus. Mais je pensais pas m'embarquer dans cette aventure à ce point-là. Mais c'est aussi de ma faute. Parce que j'étais pas obligée de faire 5 mouvements d'expo. J'aurais pu venir au début, poser mes trucs et repartir 3 mois plus tard sans être là vraiment tout le temps. Le fait d'être présente fait que du coup, il y a des rencontres qui se font parce que je suis là, quoi. Et puis, en fait, je suis assez inquiète de... Qu'est-ce qui se passe après ? Je rentre chez moi et il se passe plus rien. Tu vois, genre, oh bah merde, ils sont où ?